Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nailscrap. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui est une carte cadeau. Elle se présente de cette façon-là. Ici, c'est une petite boîte dans laquelle on peut glisser un chèque avec une petite carte pour mettre son message. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une feuille de papier cartonné A4. J'ai choisi comme coloris marée montante. D'un morceau de papier cartonné BD Bermude de 17,5 de longueur par 8 cm de largeur. Du papier métallisé ou alors, là en l'occurrence, j'ai choisi du papier à paillettes. Et puis des chutes de papier de chacun des papiers que nous allons utiliser. Dans ce morceau de papier 21-29-7, je garde les 21 cm de largeur et je vais couper un morceau de 19 cm de longueur. Quand je découpe, je maintiens bien la règle en place. Et je découpe dans le morceau qu'il me reste 9 cm. Par 19,7. Et avec ces morceaux, je vais marquer sur les 21 cm, je prends mon outil gris clair et je vais marquer à 1 cm et à 1,5 cm. Je retourne mon papier et de l'autre côté, je fais la même chose. Je marque à 1 cm et à 1,5 cm. Ensuite, je vais faire un quart de tour à mon papier et là, je marque 1 cm, 1,5 cm. Je retourne, je marque à 10 cm. À 10,5 cm et c'est tout. En ce qui concerne le morceau qui fait 19,7 cm par 9, je marque sur la plus grande longueur à 1 cm et à 1,6 cm. Pour ce projet, je vais utiliser les poinçons portail ciselé et je vais découper dans mon papier pailleté cette grille. Et à l'arrière, j'ai collé préalablement du double face. Et celui-ci, qui est de chez Stampin' Up, il est vraiment très très fin et facilite la découpe, contrairement à d'autres feuilles de papier double face qu'on peut trouver dans le commerce. J'ai donc fait cette découpe pour pouvoir me permettre de la positionner sur cette bande de 19,7 cm. Et vous avez vu, je n'ai découpé que la partie haute de la grille. Alors l'avantage de ce poinçon, c'est qu'effectivement, on peut découper seulement une moitié dans la hauteur. Ou alors on peut découper seulement cette partie-là et se servir de cette partie-là pour faire des barrières. Ou on fait le portail complètement. Enfin, il y a plein de possibilités. Et là, en l'occurrence, je n'ai fait que la partie haute que je vais venir positionner comme ceci. Alors, pour le placer correctement, je vais tracer à 3 cm du bord. Et je viendrai mettre ma grille ici. Et pour ce qui est de la hauteur, je vais la positionner de façon à ce que ça s'aligne sur le trait du bas et je redécouperai après tout ce qui dépasse. Et si je me positionne déjà comme ça, c'est pour pouvoir faire sur ce morceau la découpe du haut de la carte. Et ainsi, je vais pouvoir passer ça sous ma Big Shot. Il faut vérifier que si le petit bout là dépasse, c'est pas très grave. Qu'il faut qu'il ne dépasse pas, c'est la partie qui vient couper le carton. Et là, je vais passer ça sous ma Big Shot.
À tout de suite. Cette découpe étant faite, je peux prolonger avec mon cutter. Donc là, j'ai 5,7 cm. Et je viens découper voilà ce que ça nous donne. Je peux marquer mes plis. Et je peux sur le bas des 1 cm, cette partie-là, cette bande-là qui est l'onglet en fait, je peux biaiser un petit peu. Et sur cette partie-là, on peut venir coller notre grille. Voilà, une fois qu'on a bien enlevé tous les petits morceaux, on peut venir coller ça sur notre bande de papier. Et on découpe ce qui dépasse. Voilà, je le fais bien adhérer partout. Et regardez cette découpe, comme elle est magnifique. Ensuite, nous allons faire les pliages sur la base de notre étui. Toujours en veillant bien à être parallèle au bord. Et là, le pliage est vraiment très serré puisque on n'a que 5 mm. Donc c'est un petit peu délicat. Mais rien d'insurmontable quand même. Et toujours, je me mets bien par rapport au bord pour que mon pliage soit bien droit. Et comme je le dis à chaque fois, lorsque l'on plie, on part toujours du centre vers les côtés. Une fois que j'ai appuyé tous mes pliages, je vais enlever les parties qui sont en trop. Donc en plaçant mon morceau de cette façon-là, c'est-à-dire avec les pliages sur le bas, j'enlève les deux rectangles qui sont ici et les deux rectangles qui sont là. En coupant droit sur la ligne de marquage. Jusqu'à la première ligne de marquage horizontale. Ensuite, je vais couper sur cette ligne horizontale. J'ai donc enlevé ces deux grands rectangles ici et je fais de la même façon en face. Je vais enlever également ce rectangle-là et ce carré ici. Pour le moment, je les coupe droit en suivant la ligne de pliage. Ensuite, ce grand rectangle ici, je vais biaiser un peu puisque ça sera un onglet. Je vais couper ici droit sur les deux, le carré et le rectangle qui sont là. Ces deux petits morceaux-là, je vais couper droit sur la ligne de pliage. Et je vais couper droit sur la ligne de pliage également ici. Jusqu'à la seconde ligne de pliage verticale. Ce grand rectangle-là est un onglet. Je biaise de chaque côté. Ces deux petites languettes ici sont également des onglets. Et je vais également les biaiser légèrement. Légèrement, bien sûr, parce que sinon, on n'a déjà pas beaucoup de matière. Donc, si on enlève trop de papier cartonné, il ne nous restera plus rien. Et je fais la même chose sur cette petite languette-là. Et je procède de la même façon de l'autre côté. Et
et sur le grand rectangle, mais le premier uniquement, je biaise également. Vous retrouverez sur mon blog coccinelle-scrap-blogspot.fr le schéma de découpe de cet étui. Maintenant que toutes ces découpes sont faites, nous allons pouvoir procéder au collage de tout ça. Alors, il faut savoir que notre étui va se présenter de cette façon-là. Il va revenir par-dessus la grille. Donc, je peux, avant toute chose, coller ici ma grille. Et je viens coller dans l'angle. Ensuite, je vais venir coller cette partie-là totalement. Donc, je mets de la colle sur la petite languette ici. Et là. Et je viens coller ma languette en ajustant bien les angles. Je peux rabattre ensuite ceci et je viens coller ici dans l'angle. On n'a pas besoin de ces languettes aussi grandes de ce côté-là. On peut couper le grand rectangle et ne garder que le petit carré. Et là, on va rabattre dessus le derrière de la boîte. Mais avant de fermer, je vais venir coller mon ruban. J'ai donc découpé deux morceaux de ruban de 20 cm de long. Et je viens le coller à peu près à 3 cm du bord bas. Avec un petit peu de double face. Que j'ajuste parce qu'il ne faut pas, lorsqu'on aura à l'intérieur notre petite carte et notre chèque, qu'ils viennent se coller dessus. Voilà, je positionne mon ruban et je vais pouvoir maintenant bien rabattre et fermer mon étui. À l'aide de ma règle, je viens bien appuyer les onglets. Et là, pour que ça soit quand même relativement facile à fermer, j'enlève un tout petit millimètre à cet onglet sur toute la longueur. Ensuite, on peut fermer notre boîte de cette façon-là. Et voici notre étui à chèque à la même hauteur que sur la boîte. Je vais fixer mon ruban à l'intérieur. Donc un second morceau de ruban d'une vingtaine de centimètres également, que je fixe avec un morceau de double face. Et là, c'est pas très grave si c'est plus large, puisque je vais venir mettre une étiquette pour justement cacher le collage qui n'est pas très joli. L'étiquette, je la réalise dans du papier du même coloris que le fond que je vais mettre ici, c'est-à-dire pour le cas de cet étui-là en BD Bermude. Je vais tamponner dessus, fait à la main au pôle Nord par exemple. Et comme je vais embosser, je vais passer un petit coup de coussin antistatique. Je vais d'abord tamponner avec BD Bermude. J'essuie mon tampon. Je verse ma poudre transparente. Et je chauffe. Et ainsi, mes lettres ont un aspect brillant. Et je vais découper cette étiquette
avec mon massicot. Et je vais lui arrondir les angles. Et je vais pouvoir positionner mon étiquette ici. Alors avant, avec un doigt de mousse, je vais mettre un peu d'encre tout autour pour donner un peu de profondeur à mon étiquette. Bien sûr, comme j'ai déjà mis la colle, je voudrais éviter de m'en mettre plein les doigts. Et je centre mon étiquette dans la hauteur. Je vais maintenant faire les deux murs de chaque côté de ma grille. Pour cela, je prends le set de tampons qui est vendu en lot avec les poinçons, qui s'appelle l'entrée du cimetière. Et donc, j'ai ce mur ici que je vais tamponner sur une chute de papier marée montante. Et je vais également embosser, donc je vais passer mon petit coussin. Et pour lui donner de la couleur, je commence par tamponner. Je vais faire le deuxième en même temps. Et vous voyez comme c'est de la poudre transparente, eh bien la couleur réapparaît dessous. Et je découpe au ciseau puisque là on n'a pas avec ce set de tampons la découpe de ce mur. Ensuite, après les avoir découpés au ciseau, je colle mes petits murs avec de la mousse 3D de chaque côté de ma grille. Et je vais ensuite, sur ce morceau de papier de 17,5 par 8 cm, je vais l'embosser à froid avec le plioir à gaufrage ou... Alors, comme ma bande est plus grande que mon plioir, je l'embosse dans un premier sens. Puis ensuite, je vais retourner mon carton et je vais ajuster pour que l'embossage tombe au même endroit et j'embosserai de l'autre côté. C'est possible de faire cet embossage-là avec un plioir où les dessins sont repris régulièrement. Il est clair que si on prend un plioir comme celui-ci par exemple, où les dessins ne sont pas repris régulièrement, on ne pourra pas retomber dedans et ça va être très compliqué d'embosser sur toute la longueur. Je vais passer ça dans ma Big Shot et je reviens à tout de suite. Donc je m'explique. Pour embosser, je l'ai placé comme ceci. Et j'ai passé dans ma Big Shot avec la plaque qui s'arrête pas tout à fait au bout. Et je le passe comme ceci dans ma Big Shot. J'ai donc cette partie-là qui est embossée. Ensuite, je retourne mon papier et je cherche l'endroit
qui permet, voilà, de se recaler, puisque le motif se répète. Et ensuite, je repasse comme ceci dans la Big Shot, toujours en laissant ma plaque ne pas aller jusqu'au bout, pour ne pas réembosser cette partie-là qui risque d'être pas tout à, qui a été déjà embossée une première fois et sur laquelle on risque de ne pas tomber tout à fait exactement. Je me positionne la plaque du dessus, pas jusqu'au bout, et je viens passer ceci sous ma Big Shot. Et ainsi, j'ai embossé toute ma longueur sans difficulté. Et je viens donc coller. Papier pailleté, je vais découper un cercle avec ma pyramide de cercle festonnée, et tant que j'y suis, je vais également découper le cadenas et la clé. Le cadenas, je vais le découper dans la chute de papier BD Bermude et la clé dans le papier marée montante. Et je peux venir coller le cadenas ici. Et je découpe une partie pour donner l'impression que le cadenas passe derrière le montant de la grille. Ça, c'est la clé du coffre-fort. Le coffre-fort, il est là. Et sur une chute de papier marée montante, du set de tampons étiquette et décoration, je vais tamponner, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Et comme je vais l'embosser, je vais passer mon petit coussin, je vais tamponner en BD Bermude. Et ensuite, je viens remettre de la Versamark. Et je mets ma poudre transparente. Je le découpe avec ma perforatrice de 1 1/4. J'ai donc collé mes deux cercles l'un sur l'autre, sans mettre de mousse 3D parce que je ne veux surtout pas, avec le rabat qui vient dessus, qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc sans mousse 3D, ni entre ce cercle et le cercle festonné, ni entre le cercle festonné et la base de carte. Et pour finir, je vais réaliser une petite étiquette qui va permettre de savoir, parmi les nombreux cadeaux qui seront sous le sapin, à qui celui-ci est destiné. Et pour cela, je vais utiliser ma perforatrice étiquette du quotidien. Je vais mettre ça sur un papier marée montante. Alors, comme je vais embosser, j'utilise mon petit coussin. Et je le fais sur deux étiquettes différentes que je rassemblerai, qui va me permettre non seulement de ne pas avoir à jongler pour être sûr d'être bien au bon endroit sur l'étiquette, d'une part, donc ça simplifie quand même bien le problème, et en plus qui va donner à l'étiquette beaucoup plus d'épaisseur, elle va être beaucoup plus rigide.
je n'ai plus qu'à découper cela avec ma perforatrice. Je les colle ensemble. Je perfore un petit trou. Et avec de la ficelle à rôti. Je vais accrocher ma petite étiquette. Sur le nœud et je peux la glisser dans le sens là tant qu'à faire pour qu'on sache tout de suite à qui est destiné ce cadeau. J'ai découpé également une bande de papier cartonné murmure blanc de 17,5 cm par 8 sur lequel je vais tamponner une petite décoration. Et je peux également lui arrondir les angles. Il suffit de glisser cette carte avec son chèque et son petit message dans la boîte. On referme le tout. Et voilà ma carte cadeau terminée. À vous de choisir le coloris qui vous plaît le plus. Et vous allez pouvoir offrir à Noël autant de chèques que vous voulez. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Et scrapez bien. Au revoir.